pour la plupart, nous sommes inspirés vers une liberté parce que nous vivons de manière limitée. Tout ce qui nous entoure, tout ce qu'on connaît, c'est des choses qu'on a appris. Et avec toute cette connaissance, on est limité. Donc, la liberté, c'est quelque chose qui est demandé, qui est voulu. On a envie de sortir de là. Parce que, au-delà de toute cette activité fébrile, où tout se passe dans l'emprisonnement, dans l'enfermement, dans l'individualisme, dans tout ce qui est confiné à la petite bulle de chacun, il y a au-delà de tout ça une autre dimension. Et cette autre dimension, elle est aspirée par tout le monde. Au bout d'un moment, dans ta vie, il y a des questions qui vont te venir. Et tu vas te poser cette question. Qu'est-ce que je fais là? Qui je suis? Pourquoi suis-je ainsi dans la tourmente de tout ce qui arrive? Pourquoi je subis la vie? Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de tout ça qui peut être vécu? Donc ce sont des questions pertinentes qui ont été posées par une grande majorité de philosophes, de personnes qui ont voulu trouver une solution à la condition humaine. Les religions ont essayé d'arranger, de dire qu'est-ce qu'il y avait. Les philosophes ont essayé de dire qu'est-ce qu'il y avait derrière tout ça. Et tout le monde a mis du sien. Mais en fait, aujourd'hui, nous en sommes toujours au même résultat. Nous ne sommes pas libres. Nous sommes quand même constamment dans une tourmente où on cherche une issue. Il y a un labyrinthe extraordinaire qui nous empêche de voir au-delà la lumière. Donc on est constamment en train de tourner en rond dans ce labyrinthe. Ce labyrinthe de connaissances que nous avons acquis. Et au-delà de tout ça, il y a l'inconnu. Et cet inconnu, là-dedans, il y a une lumière vers ce qu'il y a d'autre. Et cette autre chose, elle fait partie d'une autre dimension que nous n'avons pas maintenant accès parce que nous avons accepté ce qui est connu et nous nous attachons à ce que nous avons et nous ne pouvons pas voir au-delà parce que nous nous sommes attachés, parce que nous avons acquis des conclusions pour dire que c'est comme ça. Et ces conclusions nous empêchent d'aller au-delà de tout ça parce qu'on regarde et on regarde avec les conclusions qu'on a. La majorité, c'est comme ça qu'on regarde la vie. On regarde la vie avec les conclusions qu'on a, avec tout ce qu'on nous a dit être possible, ou tout ce que tu t'es dit être possible. Donc tu es limité. Tu es formaté dans un monde où la volonté collective ne veut pas aller au-delà de ce connu, parce que ce connu, ça réconforte, ça empêche d'être dans un vide sans référence à ce qu'il y a déjà d'acquis. Donc nous hésitons pour sortir des sentiers battus. Nous sommes dans les habitudes, les train-trains, et ça nous empêche de nous ouvrir à quelque chose d'autre que nous sommes. Nous sommes autre chose que cela. Nous sommes autre chose que la connaissance acquise. Nous sommes autre chose que le corps, que le nom qu'on t'a donné, l'environnement qu'on t'a donné et pour lequel tu es emprisonné là-dedans. Et tu ne vois pas plus loin que tout ça. Parce que c'est
un mode de vie qui a été accepté et qui a été passé de génération en génération, de tradition en tradition, et nous avons accepté que la vie, elle n'était que ça. Et nous restons limités. Nous ne sommes pas libres d'esprit, puisque l'esprit est dans des conclusions, dans des formatages, des schémas de pensée déjà tout fabriqués. Et on les répète. Et on les répète parce que ça nous convient, parce que ça nous soulage. Parce que si on ne répétait pas ça, ça voudrait dire que on aurait abandonné les références que nous avions. Et en abandonnant ces références, alors il y a tout de suite une appréhension qui vient à l'esprit. Et c'est un cercle vicieux, parce que si tu abandonnes tout ce que tu sais, alors tout de suite il y a la peur de cet inconnu. Donc la première chose qu'on veut faire, c'est se distraire. On se distrait de ce face-à-face, parce que ça nous met dans une position d'angoisse, parce qu'on n'a plus les références. Donc il y a là une peur, une inquiétude pour continuer à regarder les choses au-delà de tout ce que tu sais. Et ça devient une addiction. Tu es dépendant de ce connu, en fait. Donc tu t'y attaches, tu t'y attaches à tes références, tu t'attaches à tout ce que tu as acquis, tes traditions, tes religions, tes pensées, tes avis, tes conclusions. Tout ça devient pour toi très important. Pourtant, au-delà de tout ça, il y a une dimension qui n'est pas connue par la grande majorité. Une minorité connaît cela, parce que ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup de diligence, une attention accrue de ce qui se joue. Et comme nous sommes pour la plupart distraits, alors nous ne sommes pas attentifs. Nous ne sommes pas attentifs à ce monde. À ce monde qui est au-delà de notre perception normale. C'est-à-dire notre perception, c'est celle qu'on a acquise. On a hérité de la race humaine avant nous. C'est une perception qui est limitée. On se limite à regarder avec nos yeux, avec tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a conclu, et tout ça, c'est limité. Donc tu ne vois pas ce qu'il y a de beaucoup plus profond. Et ce qu'il y a plus profond, ça demande que tu creuses, que tu questionnes, que tu enquêtes, que tu te poses des questions déjà sur ce que tu connais et comment tu vas remarquer, comment tu répètes toutes ces choses tout le temps, parce que c'est réconfortant, c'est tes habitudes, tes train-trains. Et donc, pour sortir de là, ça te demande beaucoup d'énergie. Une énergie considérable parce que ça veut dire que il faut que tout ton être soit dans ce cheminement où tu ne fais que ça. Mais pour la plupart, on est tellement distrait avec la vie qu'on aimerait avoir, tout ce qu'on aimerait garder. Toute cette activité pour maintenir tout comme d'habitude, eh bien, ça nous fait dépenser notre énergie ailleurs. Et l'énergie pour aller voir profondément, pour creuser, on n'en a plus. Donc on est blasé et on est errant comme ça de vie, de désir en désir, de rencontre en rencontre, et en fait on est toujours blasé, on n'a rien, parce que en fait tout ça reste superficiel. Donc il y a, pour se connaître,
celui qui veut aller dans cette direction, comprendre un peu ce qu'est la vie vraiment. Parce que pourquoi on veut comprendre, la plupart d'entre nous, nous sommes tellement occupés que nous ne voulons pas comprendre. Nous, ça ne nous intéresse pas parce que, en fait, on se sent bien dans notre petite zone de confort. Toutes tes conclusions et tout ça, ta petite religion, tout est carré. Et tu chemines dans une volonté collective qui te dicte comment la vie doit être. Et tu fais ça sans profondeur, sans qu'il y ait de sens vraiment. À ce moment-là, la vie, elle est monotone, elle se répète tout le temps et il n'y a pas beaucoup de gaieté, pas beaucoup de joie, très peu de joie. Et c'est de ça qu'on parle. C'est que nous vivons dans un monde où la joie est très rare. La joie d'être là avec la profondeur de ce qu'on est. Parce que quand tu abandonnes ce qui t'empêche d'être toi-même, ce qui t'empêche de voir en profondeur, eh bien à ce moment-là, il y a une grande joie parce que tu te libères de tout ce que tu dois faire pour garder, pour simuler un état d'être qui n'est pas le tien. Alors tu joues des rôles, tu fais plein de choses, tu cours par-ci, tu cours par-là pour te faire valoir et tout ça. Et en fait, tu as passé ton existence à faire plaisir aux autres, à chercher pour toi du plaisir, ta zone de confort. Mais en fait, tu n'as pas vu vraiment où tu étais. Tu n'as pas vu que tu étais dans un paradis. Avec des lumières, des jeux de lumière, et tu n'as rien vu. Tu es aveugle. Et la plupart d'entre nous qui vivons aujourd'hui, avec tout ce conditionnement-là, il y a de l'aveuglement qui est perpétuel. Une illusion totale de ce que vraiment est la réalité. La réalité, c'est au-delà de tout ce qui se répète. Quand il y a quelque chose de neuf, là, il y a vraiment quelque chose qui existe. Mais tout ce qui est répété, ça fait partie de ce que tu as déjà vécu, déjà appris. Mais quand tu vois la vie d'une autre manière, de manière à ce qu'elle émerge là maintenant, et elle t'éblouit, elle te donne cette joie d'être là, présent, dans l'instant où tu respires, alors il y a une grande joie. Et je disais que cette joie, très peu d'entre nous la connaissons, parce que nous avons plutôt la connaissance de ce que c'est le plaisir, de ce que c'est être égayé par les événements qui nous arrivent, un peu de plaisir, tu vois, on a une situation qui nous a souri et donc on est un peu mieux. Mais en fait, tout ça, c'est futile, c'est énergivore parce que en fait, tu rentres dans cette activité-là pour croire que c'est ça la vie. Mais en fait, la vie, elle n'est pas ça. Elle est autre chose. Elle est au-delà de tout ce que tu peux gagner. Il n'y a rien à gagner dans le sens où quelque chose viendra te secourir pour pouvoir être toi-même, pour pouvoir sortir de cette frénésie, cette course, ces stress que l'on a à courir tout le temps pour gagner le plaisir qui nous est promis comme l'Eldorado. Il n'y a rien. Tout ça, c'est du vent. Et quand nous vivons comme ça, de manière superficielle, alors la vie n'est pas dans toute sa capacité intelligente. Parce que une vie intelligente, ça veut dire qu'il y a une conscience profonde qui est là et qui fait exister les choses de manière consciente. Tu es présent. Tu es là. Avec toute la situation. Et c'est toi qui mènes le jeu. C'est pas la vie qui te mène
par le bout du nez, avec tout ce que tu subis, tout ce que tu stresses, les souffrances que tu as. Tout ça, c'est parce que tu te laisses emmener par les choses que tu t'es accroché avec. Parce que les choses que tu t'es accroché, ben, ce sont des choses qui changent tout le temps. Et donc, tu as peur que ça change, tu t'accroches. Et toute cette activité-là t'emmène nulle part. Elle t'emmène dans le chaos, dans la confusion, parce que tu es toujours aveugle de ce monde merveilleux, de cette profondeur qui est au-delà de la compréhension normale, traditionnelle de ce que nous vivons. Parce que l'esprit, il est blasé. L'esprit, il est aveugle. Il court, il court, il court pour prendre la carotte. Mais la carotte, elle continue à partir. Il n'y a rien à attraper. Donc tu te fais avoir par l'illusion de ton propre désir, qu'il y a une vie idéale à gagner. Et ça nous fait rester dans la superficialité. À ce moment-là, quand il n'y a plus la carotte, quand tu as réalisé que c'est une carotte, que c'est une illusion pour laquelle tu te promets d'avoir, et que toute ta vie tu te bagarres vraiment, bec et ongles, pour avoir cette carotte, cette vie merveilleuse qu'on t'a miroité, qu'on t'a fait miroiter, tu cours derrière, mais il n'y a rien. C'est parce que toute cette activité, elle empêche les choses d'être. C'est pour ça que toute cette activité use l'homme. Ça nous fatigue parce que on perd de l'énergie. Et l'énergie pour pouvoir voir au-delà de tout ce que l'on sait, de toute la petite vie misérable qu'on s'est construite. Pour aller au-delà, il te faut de l'énergie. Il faut que tu sois calme. Il faut que tu rassembles ton être. Tu te concentres pour être présent, pour être là. Et là, il y a de l'énergie. Tu ramasses l'énergie. Et tu es là. Cette énergie-là, elle va enquêter. Tu vas avoir la force de fouiller, de gratter dans les sédiments de tout ce que la pensée propose et voir qu'au-delà de tout ça, il y a le trésor de la vie, le trésor qui est celui d'être présent à ce qu'il y a, mais pas ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais, c'est justement c'est là où tu t'épuises. Donc reprends tes esprits et fais en sorte que tu sois attentif à tout ce que tu joues, à tout ce que tu fais dans la vie. Et tu vas t'apercevoir que tu tournes en rond. La plupart d'entre nous, c'est comme ça qu'on vit. Et c'est pas grave, on est tous comme ça. Mais ce qui est grave, c'est de ne pas s'en apercevoir qu'on tourne en rond et de continuer à le faire. Il y a une petite histoire, l'histoire d'un aigle qui a été récupéré par un fermier. Et le fermier, voyant qu'il était mal en point, il a mis une corde à sa patte et il a planté un pieu au milieu de la cour. Et l'aigle, tout ce qu'il pouvait faire, c'est tourner en rond autour du pieu. Il ne pouvait rien faire d'autre. Donc il s'est habitué à faire ça. Et un jour, le fermier pris de remords, il l'a laissé partir.
Donc, il a coupé la corde. Mais étonnamment, l'aigle, il est libre. Mais l'habitude et les trintrins ont continué de se mouvoir. Alors même sans la corde, elle continuait à être prisonnière de cette corde. Et n'est-ce pas là le fait de chacun d'entre nous? Nous sommes toujours prisonniers de nos idées. Il n'y a pas de corde, il n'y a pas de prison, il n'y a pas de barreau à nos vies. Mais nous les faisons exister quand même à travers ce que nous pensons, à travers ce que nous avons acquis. Et tout ça nous empêche d'aller explorer au-delà de tout ce que l'on connaît. Et peut-être là, il y a une grande joie que de se libérer. Libérer pour aller en profondeur, garder toute son énergie pour pouvoir le faire et aller explorer qui suis-je? Qu'est-ce que c'est cette vie? À quoi elle est? À quoi elle rime? Quel sens elle a? Est-ce qu'elle a un sens ou bien je me suis donné un sens? Alors si je me suis donné un sens, faut-il que j'abandonne le sens que j'ai de cette vie pour pouvoir comprendre qu'il y a juste la liberté, une perception sans fin et une joie immense de ne plus avoir à faire des choses pour pouvoir gagner un petit peu de plaisir. Donc ne vends pas ta liberté pour un petit peu de plaisir.